Il n'y a rien dans ces livres sur comment faire la paix avec les garçons. Hé, hey, Gigi, vas-y doucement, les filles, j'ai faim. Je mangerai 4 hot dogs. Les filles, je vais aller aux toilettes. Les filles, je pense que tout ça n'est pas bien. Les garçons sont assis là, en bas, et se sentent à l'aise. Et nous, nous sommes ici, assises, en silence, sans télé, sans frigo, sans rien. En plus, c'est ma maison. Sans salle de bain. Julie, les toilettes sont par là. Où peut-on trouver de la nourriture? En bas. Je ne veux pas y aller, les garçons sont là. Reste ici. Les filles, nous devons aller en bas et montrer aux garçons qui est le patron ici. Et les mettre dehors, avec un coup de pied. Oui, Gigi, tu as raison. Nous devons les mettre dehors. Ils mangent ta nourriture, Diana, dans ton frigo. Et ils utilisent la salle de bain. Bon, les filles, on se calme. Avez-vous oublié qu'ils ne sont pas ici à cause de moi? Cette année 2021 commence vraiment mal. Tu sais à qui est la faute? Tu sais? Non, Gigi, bien sûr qu'on ne le sait pas. C'est la faute des garçons. Regarde Diana. Bouh. Regarde Julie. Yuck. Dis-moi, quand est-ce que le popcorn sera prêt? C'est prêt, les gars. C'est trop cool qu'on soit des garçons. Les filles s'ennuient là-bas et on fait ce qu'on veut. Ce sont des filles? Ce sont des mouches. Elles ne peuvent que s'exhiber leurs petites choses. Les gars, c'est prêt. Oh, du popcorn. Artyom, tiens, tu n'en voulais plus que tout. Artyom, donne-moi le paquet. Et moi alors? Tu seras le dernier. Yana, j'ai tellement envie d'aller aux toilettes. Tu peux y aller, les toilettes sont par là. Je veux utiliser celle-là. Les filles, j'ai une idée. Yana, acquis à cette maison, c'est la tienne. Alors on doit y aller et s'occuper d'eux. Oui, les filles, allons-y. Allons-y, je ne peux plus rester ici. On va leur montrer qui est la patronne. Enfin, les filles, je vous l'avais dit. Enfin, vous vous êtes levées. Allons-y, occupons-nous d'eux. Pourquoi devons-nous rester affamés? Le pouvoir est aux femmes. Attendez, les filles, je n'en peux plus. Julie, je ne comprends pas. Quelle est la différence entre la salle de bain d'en haut et celle d'en bas? Diana, je ne veux utiliser que cette salle de bain. D'accord, allons-y. Les gars, je suis sous le choc. Gigi, Nasia, Diana. Yep. Elles sont si petites. Mais elles font toujours semblant de se comporter comme des adultes. Les gars, ne touchez pas à Diana. Je sors avec elle. Dis-moi, pourquoi as-tu besoin de Diana? Ah tiens, c'est quoi ton problème? Bien les gars, vous sentez-vous à l'aise sur mon canapé? Est-ce que quelque chose vous dérange? Vous avez 2 minutes pour quitter cet endroit. Ouais, nous aussi on veut regarder la télé. Vraiment? Diana, tu as oublié pourquoi tu es venue ici. Nous ne sommes pas venus ici par nous-mêmes. Nos parents nous ont emmenés ici. Patrick, tes parents t'ont amené ici, mais je vais appeler ma mère et me plaindre de ton comportement. Je vais appeler vos parents. Vous êtes grossier. Pas du tout, gentleman. Bien, Diana, je vais aux toilettes. D'accord, tu peux y aller. Chacun son truc. Diana, ce n'est pas notre faute si tes parents sont allés à une fête avec nos parents. Ils ont décidé que nous allons rester chez toi. Alors, s'il te plaît, fais-nous un accueil chaleureux. Les filles, vous devez quitter notre territoire. Voulez-vous rester sur le territoire des garçons? On va regarder des films d'horreur. Vous êtes encore des petites choses, pas assez grandes pour les films d'horreur. Les filles, est-ce qu'ils vont partir? Non, ils ne partiront pas. Ils sont si effrontés. La vie serait meilleure sans les garçons. Les gars, on prend la nourriture et ce dont on a besoin et on monte. Mais on dira à vos parents que vous nous avez offensés. Vous nous avez fait asseoir en haut sans nourriture et sans salle de bain. Il y a une salle de bain ici. Je vais prendre du popcorn salé. Moi, je vais prendre tout ce que je veux. Moi, j'aimerais juste avoir la toilette. Je vais prendre une banane. Attendez, les filles. Le popcorn est à nous, on l'a porté. Ne touchez pas à notre popcorn. Vraiment? Vous avez mangé la moitié de ma nourriture du frigo? C'est bon? Les gars, vous êtes si gourmands. Vous mangez la nourriture de Diana, mais vous ne nous donnez pas votre popcorn. Nous allons prendre ce popcorn, on a faim. Vous ne serez pas si pauvres. T'es gourmand. Attendez les filles, vous êtes assis en eau sans rien faire. Et nous allons regarder des films d'horreur. On a prévu pour toute la nuit, avec le popcorn. Bien les gars, c'est la maison de Diana. Nous avons vraiment commencé à mal nous comporter. Diana, tu n'aimes pas? Donc, va en eau. Si tu es pour les filles, vas-y et reste avec eux. Dima, tu n'as pas entendu? Va en eau avec tes filles. Allez les gars, je suis avec vous. Les filles, quittez notre territoire maintenant. Oui, le territoire des garçons. Patrick, mets le film d'horreur. Les gars, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous êtes devenus si étranges ces derniers temps. Tout allait bien, il y a quelques jours, quand nous avons célébré le nouvel an. Qu'est-ce qui ne va pas maintenant? Êtes-vous plein de vous-même ou quoi? Nastia, je pense que c'est la mauvaise influence de quelqu'un. Les garçons, je vais appeler vos parents et leur dire tout sur vous. C'est clair? Allons à l'étage. Les gars,
Diana ne plaisante pas. Elle va certainement appeler nos parents. Dis-moi, ce n'est pas assez grand. Monte avec eux à l'école maternelle. On se fiche de ce qu'elle suspecte. On a des nouvelles petites amies. Celles-ci sont trop petites pour nous. Les gars, ne gâchons pas notre humeur. Patrick, mets un film d'horreur. Oui, on va mettre le plus horrible. Les gars, lequel vous voulez? Mais ça. Non, c'est trop effrayant. Je vois tout être un enfant. Les filles, ce n'est pas drôle. Je suis tannée. Tous les garçons sont comme ça. C'est ça. Aujourd'hui, ils sont l'un, demain l'autre. Leur humeur est vraiment étrange. Les filles, je pense que les garçons sont devenus fous. C'est l'âge délicate. Diana, ça ne va pas. Ils sont chez toi. Vas-y et dis-leur de partir. Les filles, vous êtes folles. Vous ne comprenez pas. Nous ne pouvons pas chasser les garçons car les parents de Diana fêtent leur anniversaire avec leurs parents. De plus, ils ne peuvent aller nulle part. Il fait noir dehors. C'est bon, les filles. Je pense que nos parents vont bientôt arriver. On va tout leur dire. Ils vont avoir des problèmes. Patrick, j'ai peur. Éteins-le. Je n'aime pas ça. Regardons un truc sur les fantômes. Les gars, appelons les filles. J'ai peur et je m'ennuie. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? C'est la maison de Diana. Nous avons d'autres amis. Si Diana le voit, nous aurons des problèmes. Pourquoi? On peut être amis avec qui on veut. Bonjour les filles. Venez chez Diana. Diana dort, ça fait longtemps. Venez ici. Les gars, vous ne devriez pas faire ça. Dima, tu n'es jamais d'accord. Dima n'aime pas beaucoup des choses. Dima, tu peux nous laisser? Oui, viens chez Diana. On a tout, du popcorn. Tu n'as rien acheté. C'est foutu. Que vont penser de moi les parents de Diana? Les filles, je vois pourquoi les garçons ne veulent pas être les amis de Diana et de ses filles. Ce sont des enfants. Bien sûr, les filles, nous sommes adultes, belles, modernes. Pas comme ces petites. Elles sont là. Est-ce que je suis beau? Oui, tu l'es. Je n'ai pas l'air d'un enfant avec ce chapeau. Non, toi très bien. Dois-je enlever le chapeau? Non, Dima. Allons-y. Salut les filles. Entrez. Bonjour. Écoutez les garçons, ça ne va pas déranger Diana? Diana, les garçons nous ont invités, pas Diana. Ça ne la dérangera pas. Ses parents nous ont dit de rester chez Diana. Les filles, entrez. On regarde un film cool. Un film? Les filles, entrez. Donnez-moi vos vestes. Patrick, tu es si gentil. J'espère que Diana ne parlera pas trop, sinon c'est moi qui lui parlerai. Les filles, du calme. Nous sommes les patrons aujourd'hui. Elles sont assises en haut et ne viennent même pas ici. Bien, les gars. Laissez-moi prendre leurs vestes et vous servez de popcorn. Les filles, quel popcorn voulez-vous? Avec du salé ou avec du fromage? Qu'est-ce que vous allez boire? Soda, jus de fruits? Je vais prendre du soda. Je vais prendre du jus de fruits. Une Pepsi. Amusons-nous. Soudainement, vont être choqués. Les filles, vous avez un élastique? Je dois réparer les collants de ma mère. Ils tombent. Pourquoi tu as mis des collants de ta mère? Regarde, ils sont si beaux. Je suis une adulte, tu sais. Yana, tu aurais dû mettre tes collants. Oui, ma mère m'a acheté des collants avec des cerfs et des bonhommes de neige. Eh bien, les filles, vous y croyez? La fille a pleuré si longtemps après avoir découvert qu'ils allaient dans un autre jardin d'enfants. Quelle histoire d'amour! Vous savez, les filles, mon premier amour était aussi dans un jardin d'enfants. Diana, tes parents sont là. C'est ça, les filles. Nous allons tout raconter sur les garçons. Sur les choses qu'ils ont faites. C'est tout. Nous allons aussi dire que Julie ne pouvait pas aller aux toilettes à cause d'eux. Ouais, ouais. Et qu'on ne pouvait pas manger. C'est ça. Maman, papa, vous êtes là? Vous n'allez pas le croire. Maman, tu es là aussi? Maman, papa, où êtes-vous? Oh. Tu sais, les garçons sont... Diana, ce n'est pas ce que tu penses. Ce sont leurs copines. Je prends juste du jus et du Pepsi. Oh non, les gars, vous avez dit qu'elles dormaient en haut. Qu'est-ce qu'elles font ici? Je ne vais pas rester ici avec ces enfants. Je rentre à la maison. Écoute, Diana, nous pouvons inviter nos amis jusqu'à ce que nos parents nous ramènent à la maison. Oui, ce sont nos amis. Les filles, ce sont nos nouveaux amis. Nous voulons passer du temps avec eux. Pourquoi sont-elles meilleures que nous? Parce qu'elles disent des gros mots, hein? Hein? Ou parce qu'elles portent des jupes comme ça? Les filles, c'est horrible. Les garçons sont si méchants. Diana, je suis totalement d'accord avec toi. Ils disent des gros mots. Je ne leur parle même pas. Et vous, les petites choses, vous ne pouvez pas nous comprendre. Si vous êtes encore à l'école maternelle. Restez-y et ne parlez pas trop. Les filles, vous êtes plutôt cool. Vous le savez? Plutôt à la mode. Plutôt génial. En quelque sorte. Nous sommes petites et maigres, mais après ça, quand nous aurons 18 ans, nous serons belles et gentilles. Sais-tu ce qui va t'arriver? Lialia, tu as entendu? Oui, j'ai entendu. Je ne sais pas ce qui va nous arriver, mais toi...
nous irons bien, j'en suis sûre, mais toi... Il n'y aura pas un seul garçon qui voudra sortir avec toi. Parce que tes flèches et tes lèvres peintes vont te faire vieillir rapidement. À 18 ans, tu auras l'air d'en avoir 30. Julie, disons-le d'une autre manière. Tout le monde est beau avec 30 ans, mais eux auront l'air d'avoir 50. Tu l'as entendu? Je ne veux pas épouser Yana qui a 50 ans. Et toi, toi, 20 ans. Avez-vous entendu les filles? Leurs flèches et leurs rouges à lèvres vont les rendre vieilles très bientôt. Les gars, on va s'occuper de ça. Mettez un film cool. Tu as dit que tu avais un film d'horreur. Nous ne voulons pas regarder ce film avec toi. Vous avez l'air trop vieille. Vraiment? Vous ne voyez pas? Elles ont déjà commencé à vieillir. Vous avez peur, les garçons? Ils réfléchissent à la façon de chasser les filles. Oui, les filles, pensez-y. Avez-vous vraiment besoin de vous maquiller autant? Quoi? On ferait mieux de ne pas accepter de venir chez ces enfants. Oui, ils sont trop petits. Quittons cet endroit tout de suite. Bye bye les filles. Diana, tu veux du Pepsi ou du jus de fruits? Les gars, vous avez vu ça? Je veux vous dire que les filles ne sont pas jolies quand elles disent des gros mots. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye! Bye! They got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I saw them, I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause they got problems on problems on problems on problems on problems on problems.